Un tacle sévère du nordiste Baptiste Alloé a mis le feu aux poudres, 36e. Alors que sa victime se tordait de douleur au sol, les esprits se sont échauffés entre les acteurs des deux camps. Résultat, un carton rouge pour Alloé, mais aussi un pour son coéquipier Tony Mauricio et pour le Parisien Redouane Kerrouche, au centre des échauffourées selon l'arbitre Sylvain Pally. Après la pause, 53e, c'est au tour du capitaine parisien Hervé Liboy de perdre ses nerfs. Il a donné un léger coup de tête au Valenciennois Sébastien Roudet qu'il avait taclé auparavant, et reçu en échange un carton rouge.